Salut les compatriotes. Eh bien, c'est votre ami, votre frère, grand frère, jeune frère, Soma Tidiane qui vous revient aujourd'hui avec un sujet qui me dépasse moi l'esprit et qui m'a étonné, qui m'a surpris, qui m'a abasourdi. C'est par rapport à une femme. Une femme qui a eu son sein enflé, elle avait trop mal au niveau de son sein, elle s'est rendue du côté de l'hôpital d'Onka. Je vais d'ailleurs taire le nom de cette femme. Et après toute analyse par nos médecins guinéens à Conakry, précisément à Onka, après toutes les analyses faites, ils ont dit à la femme qu'elle a ce qu'on appelle le cancer du sein. Et cela a vraiment créer de la panique dans la famille. Cela a créé vraiment des grands soucis au sein de la famille. Parce que les médecins ont dit qu'il faut forcément couper son sein. Parce qu'elle est atteinte du cancer du sein. Mais les parents n'ont pas voulu coopérer. Ils ont jugé nécessaire d'envoyer la femme du côté de Dakar. Ils ont dit ok, on va aller d'abord voir ailleurs. Si ça donne la même chose, on va essayer de voir. Mais nous ne sommes pas prêts à livrer la femme comme ça. Elle est allée du côté de Dakar. Ils ont envoyé la femme du côté de Dakar. À Dakar, précisément à l'hôpital Aristide, pour ceux qui connaissent bien Dakar, Sénégal, capitale de Dakar, pour les barils qui ne connaissent pas. Eh bien, par la grande surprise, après toutes les analyses faites par les médecins sénégalais, du côté du Sénégal, ils ont trouvé tout à fait le contraire de ce que Conakry a dit. Parce que du côté de Dakar, ils ont dit que la femme n'est pas atteinte du cancer du sein. Ils ont démenti cela. Et ils ont dit, mais plutôt qu'elle a une infection. Et par conséquent, il faut opérer le sein de la femme. Chose dite, chose faite, ils ont opéré le sein de la femme. Et actuellement, elle est en convalescence. Mes chers compatriotes, vous voyez ça? Et maintenant, si on donnait ou on livrait cette femme ou que les parents coopéraient à Conakry, on allait rendre cette femme-là une handicapée à vie, couper son sein. Et pourtant, elle n'avait pas une maladie qui pouvait l'amener jusqu'à couper son sein. Et on parle de cette femme. Combien d'autres personnes qui sont dans des situations pareilles? Vous voyez, c'est pourquoi aucun ministre, c'est pourquoi aucun directeur, c'est pourquoi aucun homme riche en Guinée, eh bien, ne se confie dans nos, ne vont dans ces hôpitaux. Hein? Ils ne vont pas là-bas. Toujours c'est à Dakar, ou bien c'est au Maroc, ou c'est aux États-Unis, ou c'est en Europe. Parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus, ceux qui nous dirigent sont convaincus que nos hôpitaux sont en manque d'équipement. Ce n'est pas les médecins qui font défaut. La Guinée a des bons médecins, bien qualifiés même. Je peux même dire les meilleurs médecins de l'Afrique, je peux me permettre de le dire. Il suffit juste de voir combien de pays viennent, des jeunes de combien de pays viennent apprendre la médecine à Gamal Abdel Nasser. Combien à l'université Gamal? Il y en a beaucoup, les Comoriens, comment on appelle ça? Il y a des Tunisiens, imaginez. Hein? Il y a des Tunisiens à Gamal. Il y a également les Camerounais. Hein? Il y en a beaucoup. Des Somaliens, il y a beaucoup qui viennent apprendre la médecine en Guinée et qui se retournent dans leur pays, qui deviennent des compétents, des meilleurs médecins. Mais la seule différence, c'est l'équipement. Dans les autres pays, les gouvernants font... C'est-à-dire considérer la santé dans leur pays. Par contre, c'est nous, imaginez le budget national d'abord, octroyé à la santé. Quelque chose qui n'atteint même pas 2%. Je ne sais pas si c'est 1, combien pour cent pour la santé. C'est grave. Et quand vous entendez un pays, c'est quatre choses. Pour la bonne marche, d'abord, il faut mettre un accent particulier sur l'éducation. D'abord, le premier, c'est l'éducation.
parce que quand tu entends médecin, ministre, directeur, ingénieur, c'est parce que tu as passé par le banc. La santé, parce qu'il faut forcément être en bon état pour faire d'autres activités. La justice, la sécurité. Un pays qui veut vraiment marcher doit considérer ces quatre choses-là. Mais malheureusement, c'est nous qui avons fait le contraire. Nos hôpitaux sont mal équipés. Il n'y a rien. Nous avons des meilleurs médecins. Parce que les médecins qui ont fait cette analyse, moi je me dis, peut-être que ce n'est pas eux qui ont faussé, mais peut-être que c'est des machines qui sont là, qui ne sont plus adaptées à la réalité des choses, ou qui sont trop anciennes et puis qui ne reconnaissent pas certains éléments. Mais aussi, ces médecins sont fautifs, parce que si tu doutes des résultats, il faut éviter de livrer les gens à la boucherie. Parce que ça devient un crime. Si on allait couper le sein de cette femme, ça allait être un crime impardonnable. Nos autorités doivent revoir la situation. Ils doivent revoir la situation de notre pays, la situation de la santé. Parce que beaucoup de gens meurent dans ces hôpitaux. Ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas sauver ces gens-là, mais soit par l'incompétence de certains médecins et qui sont là, qu'on ne dégage pas pour envoyer des qualifiés, ou par manque de bon équipement dans nos différents hôpitaux. Que Dieu sauve le peuple de Guinée, que Dieu sauve la Guinée, afin qu'on ait vraiment des hommes qui feront un accent particulier sur des situations pareilles, pour ne plus qu'on enregistre plus de dégâts, car c'est extrêmement grave. Je vous remercie.